En parlant d'institutions, de construction et de citoyens, puisque c'est bien un mot-clé, il y a Reymos qui nous demande comment est-ce qu'on peut faire accepter la construction d'une Europe réellement démocratique et qui soit l'expression des peuples européens? Parce que là, vraiment, on sent dans les réactions des internautes que beaucoup se sentent totalement délaissés et que finalement, l'Europe, ce n'est qu'un amas d'institutions et le peuple est totalement mis de côté. Je vais peut-être prolonger un tout petit peu la question, si vous voulez bien, parce que lorsqu'on parle de fédéralisation, il ne faut pas se payer de mots. Et tout à l'heure, Dany l'évoquait, si on ne l'a pas fait à une certaine époque, c'est parce qu'il n'y avait pas les circonstances ou pas la volonté de le faire. Dès l'instant qu'il s'agit de mutualiser, de fédéraliser ou de mettre en commun la gestion de l'économie et des budgets, il faut dire les choses par leur nom, ça veut dire que tous les États membres doivent accepter jusqu'à un certain point des abandons de souveraineté. Par exemple, accepter de mettre leur budget sous surveillance internationale, sous contrôle international. Ce qui est... Or, la maîtrise de son budget est un élément, évidemment, dans la tradition de nos États-nations, c'est un élément central de la notion même de souveraineté nationale. Donc la question est simple, en effet, elle rejoint celle de cet internaute, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les peuples sont prêts à faire ce saut, c'est-à-dire à transférer à un niveau supérieur, au-delà de l'État-nation qui est leur horizon naturel, des responsabilités, des compétences aussi importantes. Moi, je crois que c'est pas seulement un abandon de souveraineté, c'est un transfert de souveraineté ou une manière collective d'exercer une souveraineté sur des sujets sur lesquels on n'a plus. Par exemple, en matière financière, il est certain que les Européens ont perdu la main. Et il y a un vrai sujet qui est la régulation de nos banques et de nos assurances à l'échelle de l'Union. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire pour une raison très simple, c'est que les Britanniques ne sont pas d'accord. Si on constitue un noyau dur fédéral au niveau de la zone euro, on pourra le faire. Mais la question de la souveraineté aussi, c'est, et de la fédération, c'est quoi? C'est choisir de manière démocratique des dirigeants et contrôler de manière démocratique leurs décisions. Et si on va vers une fédération européenne, ça veut dire que les élections européennes, et notamment celles du Parlement européen, doivent vraiment être l'objet, l'enjeu doit être le choix de la Commission européenne et de son président qui sera responsable devant le Parlement, mais aussi devant les citoyens européens. Et il faut que ces candidats, et moi je souhaite que les élections de 2014 soient cet enjeu-là, aient des vrais programmes et des visions pour faire avancer l'Europe. Et à cette condition, la Commission européenne sortira de la technostructure qu'elle est pour devenir un véritable gouvernement au service des citoyens européens et non pas au service des États membres comme elle l'est devenue. Moi, je voudrais dire deux choses sur... D'abord sur, disons, la réalité démocratique de l'Europe. Moi, je suis toujours étonné, par exemple, que la France, c'est vrai, a une grande confrontation pour l'élection du président de la République, mais vous n'allez pas me raconter que le Parlement a beaucoup de choses à son mot à dire et la structure parlementaire française est quand même très, 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 disons, met la démocratie un peu en berne. Et qu'aujourd'hui, donc, il y a un véritable problème du contrôle démocratique des gouvernements nationaux et de l'Europe. Par exemple, le seul Parlement qui ait vraiment discuté du débat aujourd'hui des réformes de gouvernance économique et quelles sont les possibilités avec le Fonds monétaire européen, etc., c'est le Bundestag, où Mme Merkel a dû prendre un mandat du Bundestag. Vous avez vu un débat à l'Assemblée nationale ? Vous avez eu un contrôle à l'Assemblée nationale. Je peux dire la même chose de la Belgique. Un autre pays, un peu, il y a eu un débat, c'est la Hollande. En Angleterre, pas question, etc. Donc ça, c'est déjà un problème. L'autre problème, vous avez raison, c'est que si on parle de gouvernance économique, le gouvernement économique doit émaner de la Commission, qu'on doit changer, réformer, et que cette Commission doit être contrôlée par le Parlement européen. Et Guillaume a dit des tas de choses sensées sur l'élection européenne. Mais je crois qu'il faut vraiment, si on veut vraiment un contrôle démocratique et qu'on veut une fédéralisation, eh bien il y a deux chambres. Il y a le Parlement européen élu, où les députés sont élus directement par les citoyens européens, et la deuxième chambre, ce sont les gouvernements européens, et les gouvernements européens se retrouvent dans la deuxième chambre et ils défendent des politiques qui sont contrôlées et mandatées par leurs parlements nationaux, avec des possibilités d'avoir des structures de débat en commun entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Donc il faut renforcer ces structures démocratiques, mais
ça ne peut pas se faire si dans la période actuelle, quand on voit les propositions de Merkozy, qui est la proposition de faire la gouvernance économique, de la mettre dans les gouvernements de la zone euro. Non, c'est pas vrai.